Oubliés dans les archives de cette société installée à Sainte-Luce-sur-Loire depuis 1988, ces 2300 masques sont le stock restant d'une commande effectuée par ce chef d'une petite entreprise de 12 salariés lors de l'épidémie de grippe H1N1. Les masques de type FFP2 sont marqués périmés depuis septembre 2013, mais toujours emballés. D'après mes renseignements, les masques sont toujours conformes, il n'y a aucun problème. Ce qui n'est pas conforme, ce qui n'est plus valide, ce sont l'élastique. Mais dans ce cas-là, comme ils sont fermés individuellement, l'élastique fonctionne très bien. Donc il n'y a aucun problème. C'est juste l'élastique au niveau du nez. Mais il pince très très bien, il n'y a aucun problème. Effectivement, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire précise être à la recherche de masques de type FFP2 et FFP3, même périmés, à condition qu'ils portent la mention CE. En cas de stock inférieur à 200 000 unités, soit l'écrasante majorité des cas pour les entreprises, il convient d'envoyer un mail à l'adresse suivante masques@paysdelaloire.fr ou par téléphone d'appeler le 0800 030 300. Abdel Thuil, lui, a contacté le CHU de Nantes et il doit livrer au créneau indiqué directement l'établissement de santé dans les prochaines heures. Le chef d'entreprise lance même une idée pour que cette pénurie ne se reproduise plus. Une fois l'épidémie passée, il achètera 1000 masques par an. Si tout le monde fait stock au minimum 1000 masques, ça peut être important. Mais imaginez que la grippe H1N1, ça fait une dizaine d'années. Aujourd'hui, on en aurait 10 000. Si tu veux les offrir, ça serait 10 000 aujourd'hui. C'est pas négligeable. Alors, multiplier ça par le nombre d'entreprises, je pense que ce serait une très très bonne initiative à reproduire. En parallèle, ce chef d'entreprise a même commandé et reçu de quoi fabriquer lui-même son gel hydroalcoolique pour protéger ses salariés qui continuent de travailler à la fabrication et au recyclage de palettes. Ouais, c'est bon, ça.